to the corner. Mais ça ne rigole pas. Non, cette histoire, je dois la partager avec vous. C'est trop chaud. Ce n'est pas possible. Non, ce n'est pas. Ah, les amis, vous connaissez l'amour? L'amour. Non, il y a amour et amour. Il y a une jeune femme qui vient de faire l'incroyable. Une femme qui vient de traverser une rivière à la nage. Un lac d'ailleurs, hein, à la nage. Rivière, c'est petit parce que je sais que votre estimation de rivière, c'est un petit ruisseau, tout ça. À la nage pour aller chercher l'amour, c'est-à-dire pour aller se marier à l'homme de sa vie. L'homme qu'elle aime, elle traverse la rivière à la nage. Hein? Incroyable. Elle a traversé des forêts où il y a des tigres, tigres de Bengale. Elle traverse la forêt pour aller chercher son amour. Et vous, vous me dites, oh non, tu vois, j'ai tout essayé, et patati et patata, j'en ai marre derrière la famille. Petit, il ne faut pas vous embrouiller. Je vous lirai un truc ici. Et puis ça ne s'est pas passé en Afrique. Hein. C'est difficile en Afrique. Donc une jeune femme au nom de Richna s'est engagée dans une route difficile. La jeune mariée, elle est mariée maintenant, a voyagé à travers le Sud-Erban, aux régions où vivent des tigres royaux de Bengale et d'autres animaux sauvages. La jeune femme de 22 ans a parcouru de nombreux marécages et sentiers boueux de la forêt de mangrove. Après cela, Krishna a traversé la rivière Maltla à la nage, pendant plus d'une heure de nage, s'il vous plaît, et a réussi à se rendre de l'autre côté, dans la région de South 24 Pargana, ou Bengale occidental, dans le village de Kakali. Krishna a rencontré Abik. Après cela, le couple est parti pour Kolkata, où ils se sont mariés au temple de Kaliga. Donc, la jeune fille, écoutez un petit. Une jeune femme qui quitte son pays, elle a rencontré son mari en ligne, ils ont, enfin son futur en ligne, ils ont commencé à discuter, ils ont échangé, tout le bazar, et après ils se sont rencontrés une fois, ils ont discuté une seconde fois, finalement elle s'est décédée contre vents et marées, parce qu'elle était incapable d'avoir un visa officiel, elle est de Bangladesh, son mari est de l'Inde. Elle a traversé quoi? Elle a traversé la région de Sud-Erban, où vivent les tigres royaux. Vous connaissez les tigres royaux? Eh, monsieur vidéographe, mettez un petit tigre royal, là, comme ça on va vous montrer. C'est tigre royal de Bengale. Les gros tigres. En fait, le tigre est beaucoup plus grand que le lion, hein, pour ceux qui savent. Le tigre est beaucoup plus grand que le lion, beaucoup plus dangereux. C'est un vrai chasseur. Traversée de forêts de tigres royaux au Bengale. Elle a parcouru de nombreux marécages. Vous connaissez ce que c'est marécage? Petit, regarde marécage. Montre aux téléspectateurs c'est quoi marécage. Nombreux marécages et d'autres animaux sauvages, elle a traversé. La jeune dame a parcouru de nombreux marécages et sentiers boueux dans la forêt de mangrove. Après cela, elle a traversé la rivière de Maltla. Rivière de Maltla. Elle a traversé la rivière de Maltla à la nage. Traverser une rivière à la nage pendant plus d'une heure. Donc une heure de nage. Après avoir traversé la forêt, là où il y a des tigres, elle traverse la rivière à la nage pendant une heure et a réussi à se rendre de l'autre côté. Donc dans la région où elle n'était pas officiellement admise, donc il fallait partir avec visa. Donc pour briser l'histoire de visa, elle a traversé à la nage. Dans la région de South 24 Pargana, au Bengale Occident. Après cela, le couple est parti à Kotlala où ils se sont mariés dans un temple. Vous parlez d'amour. Petit, vous connaissez amour? Oh, je l'aime, je l'aime. Tu l'aimes pourquoi? Il faut poser la question, pourquoi tu l'aimes? Oh, je l'aime parce qu'il fait ça pour moi. Je l'aime parce que quand je l'appelle, il est toujours là. Je l'aime parce qu'il n'y a jamais de vide entre nous. Je l'aime. Ça, il y a une forme de je l'aime parce qu'il fait. Je l'aime parce qu'il me donne. Je l'aime parce que je me ressens. Ensuite, il y a je l'aime parce qu'avec lui, la vie est facile. Et puis, il y a je t'aime pour toi. C'est-à-dire, je ne comprends pas pourquoi je t'aime. Je t'aime, que tu sois bien ou pas, je t'aime. Que ça marche ou pas, je t'aimerai toujours. Ça marche ou pas, je te souhaiterai toujours le bonheur du monde. Et puis elle est je t'aime, mais quand ça ne fonctionne pas, tu ne l'aimes. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'il croit? Il pense que moi, je suis ici, je suis une femme ratée. Il n'y a pas de je t'aime là. Il y a beaucoup de gens, en fait, beaucoup de gens ne s'aiment pas. Beaucoup de gens n'ont jamais connu l'amour. Qu'on ne vous embrouille pas. Oh, je n'arrive pas à t'appeler parce que voilà, je travaille. Oh, je n'arrive pas à te voir parce que je suis en difficulté. Ce n'est pas de l'amour. Oh, je suis trop occupé, ce n'est pas de l'amour. L'amour fera toujours le temps. En tout cas, pour ceux-là qui ne sont pas encore mariés, l'amour fera le temps pour te trouver. L'amour cherchera le temps pour quitter le boulot même à 2h du matin pour te voir. L'amour cherchera le temps nécessaire pour faire le temps nécessaire pour toi. L'amour t'accordera l'attention nécessaire. En fait, quand tu commences à avoir l'impression, tu te poses des questions. Est-ce qu'on m'aime vraiment ou pas? Peut-être qu'on t'aime pas. Parce que tu ne devrais pas. Ça, c'est la chose la plus élémentaire. L'amour se ressent. Attendez, vous sentez ça dans les yeux. La façon dont on vous regarde, la façon dont on vous parle. Il ne faut pas vous embrouiller. L'amour, il n'y a pas de justification. Oh non, la famille n'est pas d'accord. Voilà pourquoi on ne peut pas évoluer. C'est faux. Il y a des femmes ici qui ont quitté leur famille à cause d'un mari. Hein? Si vous n'aimez pas ce monsieur, je vous... Eh oui, une fille qui quitte une famille bien. Hein?
une famille bien. C'est-à-dire une famille bien. Vous savez, en Afrique, on dit famille bien, c'est famille qui a de l'argent. Il faut dire la vérité, c'est ça. Une fille qui abandonne sa famille où il y a de l'argent, il y a tout ça, les moyens, parce que le monsieur apparemment n'était pas assez qualifié à la hauteur des attentes des parents ou de la famille. Elle dit, bon, si vous ne voulez pas de lui, alors vous ne me verrez plus. J'en connais des histoires où la femme est issue d'une famille blanche, par exemple, et on n'aime pas le monsieur qui est noir. On lui dit, écoute, on ne veut pas de lui. Il dit, si vous ne voulez pas de lui, je suis désolé, vous ne me verrez plus. C'est ça, l'amour. Pas au nom, tu vois, c'est difficile, le temps, le boulot, mon patron, n'importe quoi, les amis. Ok, cherchez quelqu'un qui fera des sacrifices pour vous. Nager une heure, petit, une heure d'état, voilà. Oh, tu sais même pas, tu sais, dans les lacs, généralement, il y a des crocodiles, des serpents. Parce que l'Inde, là-bas, c'est un peu comme l'Afrique, hein, c'est la jungle. Tigre de Bengale, ah petit, non, il faut laisser. Ici, on vous dira, oh non, d'ailleurs, cette fille, ah, tu fais ça pour un homme, ensuite, tu te laisses tomber. Non, ça, ce sont des brûlés, là, des blessés de guerre en succession. Tu vois, quand tu as été blessé 12, 15 fois en succession, c'est créé. C'est toujours comme ça, tu crées toi-même ta petite réalité où tous les hommes sont comme ça. Quand tu fais des sacrifices, les hommes qui... Non, ce sont des imbéciles que tu as choisis. Ils sont comme ça. Oui, oui, tu as choisi des imbéciles. Oui, des imbéciles. Maintenant, imaginez une personne qui choisit des imbéciles et des imbéciles. Elle est quoi? Non, disons la vérité. Quand tu choisis des imbéciles et des... Bon, attendez. Disons que ces hommes étaient tous méchants. Si toi, tu vas à l'école, tu étudies le maths. Tu échoues en mathématiques, tu échoues en chimie, tu échoues l'examen de français, tu échoues l'examen d'éducation civique, tu échoues l'examen de technologie, tu échoues l'examen de biologie. Donc tu diras que le professeur de biologie était méchant, le professeur de maths était méchant aussi, le professeur de français était méchant, le professeur de langue était méchant, celui de technologie était méchant, celui de biochimie était méchant. Ah, finalement, qui te croira? Personne ne te croira. On dirait que c'est toi qui es bête comme un dindon. C'est ça la vérité. Vous choisissez des successions d'imbéciles, des gens où... Voilà, il y a des choses que vous souvenez. Ce sont ces choses-là qui vous font tomber. Ce sont ces mêmes choses qui vous font tomber. Ce ne sont pas les hommes qui sont manipulateurs, qui ne reconnaissent pas, qui sont ingrats. Absolument pas. C'est vous qui vous lancez entre les mains des imbéciles. Comment vous vous lancez dans les mains des imbéciles dans une situation comme ça? Non, il faut arrêter de vous lancer dans les mains des imbéciles. Des imbéciles et des imbéciles et des imbéciles. Comment ça se fait? Il y a un truc qui cloche. C'est vous qui avez un problème. Pour évoluer dans la vie, malheureusement, on a été programmé de sorte à vivre en couple. On dit que deux vaut mieux qu'un, n'est-ce pas? Et dans beaucoup d'instances, c'est vrai. Parce que quand l'un est faible, l'autre soutient l'autre. L'autre donne la force à l'autre pour avancer, progresser. L'autre encourage l'autre. L'un encourage l'autre, en bon français, de chez vous. C'est ça. Une femme peut te pousser, te propulser, t'élever, te grandir, hein, t'ouvrir les yeux et les portes dans des horizons que tu n'as jamais imaginé dans ta vie. Elle peut t'aider à devenir ce que tu n'as jamais été dans le passé. Une femme peut aussi très facilement te prendre du haut où tu te retrouves et te renverser, te mettre nulle part. Donc tout dépend de comment tu te sens, tout dépend de l'attitude, la mentale. Voilà, donc faites un effort. Regardez les choses du bon côté. Ok? Allez, passez une bonne journée. Encore une fois, une femme qui quitte la jungle où il y a des tigres, des animaux sauvages, elle traverse le lac en une heure pour aller ailleurs. C'est incroyable.